Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter les améliorations du pack-a-punch de Call of Duty Vanguard Zombie. Donc je vais vous montrer leur efficacité. Alors il faut savoir que l'arme que j'ai en main faisait du 127 de dégâts de base quand je tirais dans la tête d'un zombie. Donc là je faisais du 127. Là maintenant je fais du 558. Mais il faut savoir que j'ai utilisé l'atout dégâts critiques augmentés, donc c'est le premier atout que vous voyez en bas avec les dents. Et en fait quand je tire dans la tête, ça a doublé, mais parce que je l'ai niveau 4, donc niveau max, ça a doublé l'efficacité de mes tirs tête. Donc je suis passé de 127 à 222, donc presque le double quoi. Enfin presque, hein, mais pas totalement le double, mais presque le double. Donc de 222 ensuite, je suis passé pack-a-punch niveau 1. Et là, quand je tire dans la tête, je fais du 558. Donc de 222 à 558, là le niveau pack-a-punch 1 a vraiment doublé. Donc là ça a doublé l'efficacité des balles. Là ce que je vais faire, c'est que je vais l'améliorer pack-a-punch niveau 2. Ça me coûtera 15 000. Et on va voir combien ça va faire d'efficacité, si ça redouble encore les dégâts ou pas. Donc là, je faisais du 558, si je me souviens bien. Maintenant, je fais du 1116. Donc je faisais du 558, et là, je fais du 1116. Donc, 1116. Donc ouais, ça a doublé. Ça a presque doublé. Ouais, ça a presque doublé, ça a pas totalement doublé. Mais ça a presque doublé. Donc 500 plus 500, ça fait 100. 50 plus 50, ça fait 10, ça fait... Ouais, non, en fait, si, ça a carrément doublé. Doublé pile, en fait. Ça a doublé pile l'efficacité de mes balles. Donc, logiquement, si j'améliore mon arme niveau 3, pack-a-punch niveau 3, à 30 000 dollars, à 30 000 points, ça devrait encore doubler. Donc, de 1116, je devrais passer à 3000... non, à 2000, 2200, 2300. Plus ou moins, on va voir. On va tester ça. Je fais à du 2233. Donc effectivement, chaque amélioration de pack-a-punch double l'efficacité de vos armes. Bien entendu, de toutes vos armes. Donc si vous trouvez une arme qui fait blinder d'efficacité, là j'ai une arme qui fait déjà du 1000 pack-a-punché. Ouais, donc elle fait du 1155. Donc doublé, ça ferait du 2300. Donc cette arme-ci ferait du 2300 si elle serait pack-a-punch niveau 3. Et celle-ci, elle fait du 2233. Donc, c'est quand même pas mal. Donc, voilà l'efficacité du pack-a-punch. Je voulais vous faire cette petite vidéo pour vous prévenir que, en fait, vous pouviez tripler l'efficacité, voire même quadrupler, en fait, l'efficacité de votre arme. Parce qu'au début, je faisais du 222. Là, je fais du 2233. Donc, en réalité, j'ai fait x10. Vous améliorez votre arme niveau pack-a-punch 3 et vous faites x10 de votre capacité de dégâts. Et là, bien entendu, j'ai l'atout dégâts critiques qui sont augmentés. Donc là, je fais beaucoup plus de dégâts dans la tête. Mais normalement, ça triple vos dégâts même si vous n'avez pas... Enfin, ça fait x10 vos dégâts niveau pack-a-punch 3 si vous avez votre arme, même sans l'atout dégâts critiques augmentés. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakulo Mike et ciao. Peace.